Salut à tous. Écoutez, ça y est, j'ai passé le pas. Après avoir regardé les deux films, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lance dans les romans et vous avez été très nombreux sur Instagram à me dire oui. J'ai lu The Kissing Booth, le premier tome, c'est de Bess Rickless et c'est aux éditions Hachette Roman. Une seule question avant de commencer. Il y a vraiment des gens, des adolescents, qui croient à ça, vraiment. Là, on arrive à la fête aux clichés. Rochelle, ou vous pouvez aussi l'appeler Ella, ou Sheila, en fait, elle a 10 milliards de diminutifs, Ellie, son meilleur ami depuis toujours. Lors de la kermesse du lycée, il décide de créer un stand à bisous. Ça l'amuse bien, Rochelle, et elle se dit qu'elle n'aura rien à faire, sauf que, elle va devoir participer, et elle n'a jamais embrassé de garçon. Elle ne s'attendait pas à embrasser le séduisant Noah Flynn, qui n'est autre que le frère de Lee, son meilleur ami. Après ce baiser, arrive une petite relation entre Noah et Rochelle, relation qu'elle veut cacher pour ne pas blesser Lee. Je ne sais pas comment vous décrire ma frustration et le fait qu'en fait, ça ne m'étonne pas. Avis à celles et ceux qui ont vu le film, ça suit les grandes lignes du film, mais c'est pas totalement le film. Vous vous souvenez, je suis le genre de personne qui dit « Écoutez, les livres sont meilleurs que les films, il faut lire les livres. Après, allez voir les films si vous voulez, mais lisez les livres. » Entendez-moi bien. C'est peut-être la seule fois de ma vie que je le dirai. Les films sont meilleurs que les livres. Je vous jure, ça me fait mal de le dire. Pour The Hate U Give, je vous ai dit que le livre était meilleur. Everything, everything, pareil. Et là, je vous dis quoi, The Kissing Booth? Les films sont meilleurs que le livre? Mais que m'arrive-t-il? J'ai apprécié la chaleur et le naturel de l'écriture du roman. C'est-à-dire que Bess Rickless, elle a un rythme très cool. Je l'ai lu en une journée, c'est très rapide. C'est simple, c'est solaire, c'est sympa pour les vacances. Ça, c'était les points positifs. Point négatif, et là, le film est pareil, hein, finalement. 10 milliards de clichés. Vraiment, la fête aux clichés, on devrait appeler ce film. Il n'y a que ça, que des clichés. Mais même pas des clichés sympas, des clichés nuls, mais nuls. Je vais vous dire un truc, même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez deviner les actions. Tout est prévisible à 10 milliards de pourcents, vraiment. Tous les personnages sont des caricatures grotesques. Noah Flynn, là je vais me faire des ennemis. Hein. Dans la lecture adolescente, c'est tout ce que je déteste. Noah Flynn. Ouais, Noah Flynn c'est un bad boy, il a une moto, il joue au football, il est hyper intelligent. Vraiment, c'est LE mec du lycée, toutes les filles en sont folles. C'est quoi ce blaireau? Bien évidemment, sous sa couverture de bagarreur, bah Noah Flynn c'est un gros nounours tout gentil, bah oui. Ah! Ah, et important, il faut cacher sa sensibilité si t'es un garçon, hein, parce que sinon c'est la honte. Hein. Satan, vraiment Satan. Et là, c'est une jeune fille gentille et spontanée, mais comme dit le livre, elle est extrêmement naïve. C'est, en fait, vraiment, à côté de naïve, il y a le prénom Ella. Oui, moi je dis Ella parce que dans le film, il l'appelle Ella. Dans le livre, il l'appelle Rochelle, il l'appelle Sheila, il l'appelle Ella. Il l'appelle plus souvent Sheila que Ella ou Rochelle d'ailleurs, mais je vais l'appeler Ella. Ella, elle est super sympa, elle est super gentille, mais qu'est-ce qu'elle est con. Ne parlons même pas de Lee, qui est quasiment inexistant durant ce tome, puisque forcément, il laisse place à la romance, donc... On nous vend l'amitié de Lee et Ella comme une amitié extraordinaire. Spoiler alerte. Bah c'est pas marqué qu'ils ont vraiment une amitié extraordinaire en fait. D'ailleurs on voit pas vraiment une relation extraordinaire entre Lee et Ella. Ils sont juste meilleurs potes quoi et y a rien de fou. Alors que dans le film c'est exagéré au maximum. Vraiment au maximum et c'est ça qui est beau. Le film dans son ensemble c'est globalement le même. Même si Lee est beaucoup plus présent dans le film. Et on voit vraiment une relation... presque fraternelle entre Ella et lui. Et surtout, ils ont des règles. Et ça, j'avais trouvé ça cool dans le film, qu'ils aient des règles, dont une des règles est « ne sors pas avec mon frère ». Ils ont un lien particulier, ils sont tout le temps ensemble, ils n'arrêtent pas de jouer à la machine de danse, je sais pas trop comment ça s'appelle, où vous devez danser en rythme ensemble, etc. C'est hyper cool. Ils ont des activités en commun. Là, Lee et Ella dans le livre n'ont aucune activité en commun. Dans le film, il n'a jamais été question que Lee soit une pâle copie de son frère. Jamais. Et jamais qu'il n'aime le foot. Vraiment. C'est un personnage qui, dans le film de Netflix, a vraiment énormément de potentiel et qui, dans le livre, est totalement transparent. En résumé, c'était une lecture simple,
fluide, chaleureuse, très sympa pour l'été, mais bourré de clichés. Vraiment, que ça. Mais bon, j'ai le deuxième, je ne désespère pas, et peut-être, je dis bien peut-être, que je vais avoir une bonne surprise. Je lui laisse une chance. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !